Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, on va réaliser une brassière pour filles au tricot et au point ajouré. Donc pour cela, j'ai choisi des aiguilles numéro 3,5. Vous pouvez prendre des aiguilles normales, 3,5. Non, des aiguilles 2,5 et 3,5. Alors, pour commencer avec les aiguilles numéro 2,5, on va monter 70 mailles. 70, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total, ce sont 10 mailles. Alors, à la fin, on va monter. On fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. Une maille à l'endroit et maille lisière. Tourne le travail. On part. Une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc on va monter 6 rangées. Donc, deux rangées en bleu et deux rangées en blanc. Je vais faire simplement. Alors, ce que j'arrive à la fin, si j'augmente. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, les 6 mailles, ça sert pour la bande de bordure. Et toujours au point de mousse. Donc, 1, 3, 4, 5 et 6. 3, 3, 6. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 et 13. 13. Oh, je fais un jeté. Fais une maille, deux mailles, un jeté. Un jeté. Une, deux, trois, quatre, cinq. 6, 7 et 8. Je fais un jeté, une maille, deux mailles, un jeté, fait
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17, 18, 19, 20. Agitez. Une, deux. Agitez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Agitez. Une et deux. Agitez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Et on fait remonter ici. Une, deux mailles, trois, 4, 5 et 6. Rangé. On tourne le travail. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Le reste, on tricote à l'envers. Et le jeté, on tricote tout à l'envers. Voilà, j'ai ça à l'envers, 3 mailles, voilà. Les 6, donc on passe le fil devant, on les tricote à l'endroit. On tourne le travail. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Et 13. Agitez. 1, 2, 3 et 4. Agitez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on fait agiter. 1, 2, 3, 4, agitez. D'accord. Donc, on va répéter la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Agitez. 1, 2, 3, 4. Agitez et on termine donc là cette partie.
Donc, on termine. Si, on en vient. On repart. On fait 6 mailles à l'endroit. Donc 3, 3 et le reste, on tricote à l'envers. Et 3, encore toujours les 6, on les tricote à l'endroit. Tourne le travail. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agité, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Car on fait agité, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait un GT et on répète la même chose ici et ici. Et on termine par 6 mailles à l'endroit. D'accord, on termine par 6 mailles du bandeau bordure d'encre. On tourne le travail, on fait 6 mailles à l'endroit et le reste on tricote à l'envers sur toute la rangée. Donc on termine par 6 mailles à l'endroit. Alors on tourne le travail. Comme toujours, on repart sur 6 mailles. Ça compte toujours pour la bande de boutonnage. On prend 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À partir de là, donc on fait une dernière augmentation, un GT, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième augmentation, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on fait une dernière augmentation, on prend 6, augmentation, 8, augmentation, 8, augmentation, 8, augmentation, 13 et on termine par 6 mailles à l'endroit. On termine par 6 mailles à l'endroit. Je vais changer ceci. Fait 6 mailles, 3, 4, 5, 6 et on repart à l'envers du travail. Comme toujours, on termine par 6 mailles à l'endroit.
tourne le travail, on fait une maille, deux mailles, trois mailles, quatre, cinq, six. Alors, à partir de là, on va récupérer donc les quatre mailles qu'on a fait de chaque côté pour rester avec deux mailles au milieu. Donc, c'est simple, on avait une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles du début. 13 mailles, on prend 1, 2, 3 et 4. Comme on a fait 1, 2, 3, 4, on le récupère. On fait un jeté, une maille. 2 mailles, un JT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Restez 1, 2, 3, 4, un JT. Une maille, deux mailles, un JT et on répète la même chose. Ici, on va récupérer quatre mailles chaque côté de faire le JT. Donc, fin JT et on récupère donc 4, 4 ici de un JT et c'est de suite. Donc, on termine par un endroit. On tourne le travail. On repart par 6 mailles à l'endroit. 2, 4, 5, 6 et on prend maille à l'envers. Donc, on termine par 6 mailles à l'endroit. On tourne le travail. Donc, on va refaire la même chose qu'on a fait ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite, jusqu'à terminer. Donc, quand on a fait 6 mailles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fait un JT, 1, 2, 3, 4, un JT et on repart. Donc on fait la même chose, on fait ici, juste 1, 2, 3. On termine. Donc à la fin, on va former la première boutonnière. On fait 1, 2, on fait donc, on arrête une maille, deux mailles, trois mailles, on termine par, on tourne le travail, une maille, deux mailles, on remet donc les trois mailles, une, 2 et 3 et on termine donc 3 par et on repart à l'envers. Ceci. Termine.
Voilà, donc on va refaire le point, on va faire des augmentations normalement. Et ici, donc vous allez simplement tricoter les tout au point de mousse. Alors, donc là, j'ai terminé. Que nous avons ici. Ceci, on peut faire donc notre encolure. Alors, vous allez voir, c'est simple, comme j'ai dit. Donc, pour les deux, nous avons 20 mailles, 13 mailles de chaque côté, 8 mailles pour la manche, et on va terminer par 40, 26 mailles et 31 mailles de chaque côté. 31 mailles, 20, 40 mailles et 56 mailles. Donc voilà pour la première partie et on se retrouve pour la seconde partie.